ruche. Le perséide. Alors. Vous vous souvenez, la ruche pas ouverte depuis 5 ans. Là, je vois une trace. C'est un peu digestif, on va dire. Ok. Alors, la grappe n'est pas énorme, elle est centrée par ici. Okay. Ah, il y aura beaucoup de cadres à changer ici, ça c'est sûr. Alors, c'est l'heure de la visite de printemps. Température de mois de mai, tout va bien. Les abeilles se portent plutôt très bien, donc ça reste quand même l'essentiel. Ici, on va voir ce qui s'est passé. Salut les filles. Vous avez mangé tout ce que vous avez donné, c'est très bien déjà. Donc j'avais donné à manger. Par précaution, quand il faisait froid au mois de février, vous voyez, elles l'ont mangé. Donc ça, c'est bien. Le couvain était plutôt par ici. Et on va commencer par là. Je connais les mensurations, on va dire, parce que c'est un cadre que j'avais mis moi. Super. Plein de nectar. Pas du miel qu'elles ont mangé en partie. Oui, si, du miel qu'elles mangent encore. Elle vient de mettre du nectar, ok, c'est très bien. Alors ici on est dans les cadres qu'on va sans doute retirer. Là c'est du vieux, vieux cadre. Ouais. Ça c'est très vieux, c'est sale. Et c'est carrément tout noir. Ça a fait son job. Celui-là, on va l'enlever. Le dernier, pareil. Ouais, vous voyez, la colonie n'est pas super grosse, donc... Ces deux cadres-là, on va les enlever d'ores et déjà, ça c'est sûr. Je pense qu'on va carrément changer la caisse. Ouais, c'est pas propre là en bas. Ok, donc première chose, venant d'une autre ruche, une ruche saine, en faisant la visite de printemps, j'ai enlevé ce cadre, vous voyez. Une ruche qui avait beaucoup de réserves, et bien résultat, on va l'utiliser ici, voilà. Là, le cadre qu'on avait tout à l'heure, on va le reposer tout à l'heure. Alors, là peut-être déjà de la ponte. Oui, on va voir. Non. Pas encore de ponte. Mais encore une fois, de ce côté-ci, regardez, tout du pollen. Pollen, nectar également. Donc, on va quand même finir par se rapprocher du couvain. Donc si on suivait notre hypothèse, peut-être une ruche, peut-être une reine très jeune, qui était suite à des essaimages, hein, tout simplement. Donc une reine assez jeune, qui fait le taf. Alors ici, encore un vieux cœur. Là, c'est qu'on a de la ponte dans le vieux cœur. Hmm.
monte et elle est propre. Cette ruche était infestée de varroa. Là, je suis plutôt très content de voir le couvain comme cela. Il est très propre. Le traitement aura fait son effet. Un, la colonie est toujours en vie. Et puis deux, elle est propre. Vous voyez, la ponte n'est pas infestée. Donc ça, c'est positif. Celui-ci, il faudrait quand même que je l'enlève. Je crains que je ne vais pas pouvoir parce que... On est en plein milieu du couvain. Et vous voyez. Et oui. Peut-être le déplacer en bord de couvain pour pouvoir l'enlever le plus vite possible parce qu'il est vraiment dans un pauvre état. Tout pondu. Bonjour, bonjour. Comme vous voyez, fondu, très bien. On va peut-être encore voir de la ponte. Ok, donc là on arrive au bout du Niakouvain. Très bien. Ouf, ouais, très bien. Au milieu. Et puis là, je vais prendre un autre cadre bâti déjà. Je vais pas leur demander de bâtir en plus pour le moment. Il y aura du travail quand je vais enlever ces deux-là. Là, je vais rajouter un cadre. C'est pas génial, c'est quand même pas mal de nectar de réserve, mais encore une fois, ça va faire le boulot. On avisera d'ici sans doute une à deux semaines le temps de... On va changer de caisse. Donc déjà ça, on va les enlever. Celui-ci, on avisera, on essaiera de le déplacer plus sur le côté pour pouvoir le changer assez rapidement. Ok, maintenant qu'on a fait ça, la dernière étape... On va remettre les abeilles à l'intérieur. Ici pareil. C'est bien. C'est reparti cette histoire. La ruche qui n'avait pas été ouverte depuis 5 ans. Il y a 5 cadres de couvain constitués des réserves. Maintenant de nouveaux cadres propres. Bientôt on va changer la caisse. Allez, tout se passe bien, on continue comme ça.